Salut à tous, bienvenue en Mayenne aujourd'hui sous le soleil. On a rendez-vous chez SNV pour notre 8e épisode. Et aujourd'hui, c'est jour de grand ménage avec Kevin. Salut Kevin. Salut Jerry. Tu vas bien? Tu vas bien? Ça va, écoute. Eh, j'ai pris mon balai, moi. Ah non, on va utiliser de la moyenne et de la haute pression là pour faire du nettoyage. Ah bon? Et tu fais quoi ici, toi? Eh bah, du coup, je suis opérateur de nettoyage. Ok. Donc, je vais te faire voir ça. On va enfiler une cote. Allez, carrément. Et puis, bah, on est parti, quoi. Eh bah, allez, go. C'est parti. J'ai hâte de découvrir ton job. Et toi, ça fait combien de temps que tu fais ce job? Eh ben moi, ça va faire 5 ans que je suis ici. J'ai commencé opérateur, voilà, et maintenant, en fait, je suis chef de file. Comment tu t'es dit un jour, je vais venir bosser ici au nettoyage? Ah, c'est venu un peu par hasard. Avant, j'étais pâtissier, en fait. Pâtissier? Ouais. Moi, j'ai eu un ras-le-bol vraiment de la pâtisserie. Ça m'a... Donc, j'ai tout lâché, en fait, du jour au lendemain. Écœurement. Voilà. T'as mangé trop de gâteaux. C'est ça. Okay. Et du coup, je suis arrivé en tant qu'intérimaire ici. Et puis bah, après, de fil en aiguille, on m'a proposé l'embauche et puis bah, voilà. Donc voilà notre atelier, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah oui, il n'y a vraiment plus personne, quoi. T'as l'usine pour toi tout seul. C'est exactement ça. Et alors, on va faire quoi ici, dis-moi? Alors en fait, on va nettoyer tout le poste. Et donc après, il y aura le moussage. Donc on va mousser tout le poste, partout. D'accord, ça j'aime bien. Le rinçage. Après, il y a la désinfection. Donc la désinfection, là, c'est autre chose, là, avec les masques à cartouches. Et ça, tous les jours? Ça, tous les jours. Ah, et donc toi, tu es un maillon essentiel de la chaîne. Exactement, exactement. Voilà, sans le nettoyage, de toute façon, il n'y a pas de prod. Donc, ah ouais. Alors du coup... Ah là, voilà ma lance à incendie. Voilà, donc du coup, on va y mettre ça. C'est quoi ça? C'est la buse, en fait. C'est ce qui nous permet, en fait, d'avoir un jet. T'es prêt? Vas-y. Ah ouais, il y a quand même de... Ouais, il y a de la pression, ouais. De la pression. Donc là, en fait, ça va tenir comme ça. On va déjà commencer par nettoyer les tapis. D'accord. Tu commences pas par ton sol. Faut déjà enlever en fait toutes les souillures que tu as en surface. Okay. Après, tu fais tout tomber au sol et après, tu pousses tout en fait dans le fond. Bon, bah allez, c'est parti. Vous êtes combien dans l'équipe? Eh bah, du coup, on est une quinzaine. Donc, tu as une partie d'autonomie quand même, non? Ouais, une grosse partie d'autonomie en fait. Il faut vraiment être autonome pour bosser le nettoyage parce qu'on se retrouve seul sur le poste. Moi, en tant que chef de file, je suis aussi là pour passer. Pour voir s'il y a un bon fonctionnement au niveau du... Enfin, si les gars bossent bien, si donner un coup de main, s'il y a une problématique. Okay. Donc là, il faut faire attention, tu vois, comme là, les bacs, il faut les reprendre. Ah, il y a des pièges, hein. Il y a des pièges. Ah, il y a des pièges partout. Je vais tout casser. Par contre, il faut éviter de casser le matériel. Hein. Ouais. Ah, bah alors là, un autre équipement, là, Kevin. C'est ça. Donc là, c'est le satellite de moussage. Satellite de moussage, waouh, ouais. Wow. On part dans l'espace là. Donc ça c'est le produit chimique. D'accord. Donc, vraiment important, c'est pour ça qu'on a mis les gants. Okay. Et là pour l'utiliser, une fois qu'il va être moussé, il faut vraiment qu'on mette ça, la visière. Kevin, je te reçois 5 sur 5. C'est parfait. Et donc là le but du jeu c'est on mousse tout. Partout. En dessous, au-dessus, tout. Le sol, les murs, partout. Et là, c'est parti. Bah tu sais Kevin, c'est une grande première pour moi. C'est la première fois que je fais un job de nettoyage comme ça. Et alors, t'en penses quoi? C'est sympa, hein? Bah ouais. C'est assez satisfaisant en fait. Dis-moi, en combien de temps je vais être opérationnel? Tu vas me former en interne, c'est ça? Alors du coup, ouais, on forme sur 5 jours. Tu vas travailler en binôme en fait sur 5 jours. C'est hyper rapide. Donc voilà, ouais, une semaine de formation. Ouais. Et pas besoin de diplôme particulier? Aucun, non, pas de diplôme particulier, tout le monde peut venir faire ça. C'est du bon sens, de la rigueur. C'est exactement ça. Puis bien respecter les règles de sécurité, c'est très important. Mais c'est satisfaisant hein, de nettoyer, je trouve. Bah c'est ça, c'est sympa de retrouver quelque chose de propre. Alors un bon lavage après un bon rinçage est surtout le plus important à la désinfection. Toujours travailler en sécurité. Canard, ici on est 100% canard. Soir, je suis plutôt du soir dans mon travail. Et toi? Oh Kevin, coucher de soleil à Château-Gontier. Ouais, merveilleux. C'est romantique. Merci beaucoup pour la découverte de ton job. Et un grand respect à vous, toi et ton équipe, parce que vous faites vraiment un boulot formidable. Je crois que sans vous, il n'y aurait pas de site industriel, clairement. Merci à toi. Ben, je t'en prie. Et puis, tu vas pas partir les mains vides. Ah. Des petits filets de canard et des aiguillettes. Merci pour le barbecue de l'été. Voilà. Super. Et si vous aussi, vous voulez venir bosser ici, dans l'équipe de Kevin, n'hésitez surtout pas, il recrute. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode du pôle Volena SNV. Et n'oubliez pas, Kevin, likez la vidéo et abonnez-vous.